Bonjour tout le monde et bienvenue sur Afrique Pharmacopée. Je vous présente aujourd'hui un kit de produits spécial pour se débarrasser des blocages, des chaînes et tout ce qui vous lie et qui vous empêche d'aller de l'avant. C'est un kit de 4 produits et le but principal de ces produits, c'est vous débarrasser des chaînes et toute forme de blocage spirituel qui vous empêche d'évoluer. Ce kit est constitué d'un ensemble de 4 produits et ces produits, c'est rien que du savon. Ce savon est fait avec 7 noix de coco. J'ai déjà présenté cette recette déjà sur la chaîne. Et ce savon pour laver les malédictions que j'ai également partagé sur la chaîne. Il ne reste que ces deux là que j'ai pas encore partagé, que je pense faire prochainement. Donc dans ce kit il y a donc 4 produits. Vous connaissez déjà ces deux là. Pour mieux expliquer ce kit de produits, j'ai préparé un petit document qui est là. C'est constitué de 3 pages. Ça va me permettre d'aller un peu plus vite et de mieux expliquer ce que c'est que les blocages spirituels, les chaînes occultes et pourquoi il faut s'en débarrasser. Les personnes qui souhaitent avoir ce document en format Word ou PDF, il faut juste m'envoyer un message privé et je vous donne une copie. Donc là, on va tout de suite en parler et je commence par expliquer c'est quoi au fait le blocage occulte. Alors, quels sont les signes qui montrent que vous êtes bloqué dans les chaînes occultes? Premièrement, les premiers signes, ce sont les cauchemars. Les premiers symptômes dont je parle sont les rêves. Les rêves sont généralement la première méthode et la plus simple que les personnes maléfiques et autres esprits similaires utilisent pour attaquer leurs victimes. Le rêve, c'est quelque chose qu'un individu devrait prendre en compte. Ne négligez pas vos rêves. Lorsque vous faites certains rêves, cela devrait systématiquement vous interpeller et vous alerter. Donc, il y a d'importants signes et messages qui sont transmis à travers les rêves. Voici quelques signes dans les rêves qui montrent que vous êtes sous l'influence d'une attaque occulte. Lorsque vous mangez souvent en rêve, vous rêvez de manger très régulièrement, vous pouvez voir souvent que dans votre rêve, que quelqu'un vous nourrit avec de la viande ou de la nourriture pourrie. On vous donne par exemple une sauce gombo, là c'est pas du tout un bon signe, c'est un signe que vous êtes sous attaque occulte. Après, vous pouvez être aussi nourri par des beignets ou même avec des gâteaux. Les effets de ce type d'alimentation sont en généralement très graves. Parfois cela peut conduire à des maladies incurables ou même à un blocage financier dans les affaires, dans la vie professionnelle et pratiquement dans tous les aspects de votre vie. Vous commencez par ressentir un gros blocage. Autre signe dans les rêves qui montrent que vous êtes sous attaque occulte. Les personnes sous attaque spirituelle peuvent voir dans leurs rêves que quelqu'un leur a tiré une flèche
sur leur poitrine ou dans le dos, qu'on les a poignardés. Les personnes peuvent également remarquer qu'on les a fouettés, on les a frappés dans les rêves. Voilà encore un autre signe qui montre que vous êtes sous attaque spirituelle. Dans votre rêve, vous pouvez aussi voir qu'on vous chasse. Vous êtes pourchassé et vous courez. Parfois, vous pouvez voir qu'un animal, souvent les animaux sauvages ou un revenant, vous poursuit dans les rêves. Vous pouvez voir que vous courez et passez toute la nuit. Vous êtes chassé et torturé dans votre rêve. Vous pouvez voir que c'est également quelqu'un, un être humain qui court derrière vous avec une arme dans la main. Voilà une autre forme de. Voilà un autre signe qui montre que vous êtes sous attaque occulte et qu'il ne faut pas se négliger. Autre signe d'attaque occulte. Vous vous voyez attaché par les toiles d'araignée dans les rêves. Si dans votre rêve, vous remarquez qu'on vous a ligoté avec les toiles d'araignée, ce n'est pas du tout bon signe. C'est le signe qu'on est en train de vous bloquer spirituellement. On est en train de ligoter votre vie et après, plus rien n'avance. Après ça, il y a aussi les paralysies dans les rêves. La paralysie spirituelle se produit lorsque vous dormez. Vous vous sentirez comme si une lourde charge était placée sur votre poitrine. Vous avez même des fois, vous êtes dans l'incapacité totale de mouvement. Lorsque vous voulez parler, vous remarquerez que vous êtes incapable de parler. Et même lorsque vous parlez, vous pouvez parler. Votre voix ne porte pas, votre voix ne se manifeste pas. Il y a comme une lourde charge qui est sur vous et puis vous êtes complètement paralysé. C'est aussi une autre forme d'attaque spirituelle qui peut causer des maladies, des blocages. Donc voilà, encore un autre signe. Pas les rêves qui montrent que vous êtes sous attaque occulte. Je continue toujours par lire mon document. Comme je l'ai dit tantôt, les personnes intéressées peuvent m'écrire en privé pour l'avoir. J'ai mon numéro qui s'affiche sur le site. Des fois, même quand je mets mon numéro, il y a des gens qui redemandent en commentaire mon numéro alors que je l'ai bel et bien mis dans la vidéo. C'est quelque chose que j'ai du mal à comprendre des fois. Donc alors autre signe qui montre que vous êtes sous attaque spirituelle. Souvent vous avez des marques physiques durant le sommeil. C'est aussi un symbole d'attaque spirituelle lorsque vous dormez et que vous vous réveillez. Vous découvrez qu'il y a des marques sur votre corps, il y a des traces, il y a des cicatrices. Certains verront une marque comme si ils ont été giflés. Ils verront des griffures ou des ongles ont été utilisés pour rayer une partie de leur corps. Certains verront comme si des couteaux ont servi à découper une partie de leur corps ou de leurs membres. Bon, vous avez des plaies ou des fois même des signes clairs visibles que un objet a été utilisé pour laisser une trace sur votre corps. Cela devrait vous alerter. Les voix étranges. L'un des symptômes d'attaque occulte est d'entendre des voix étranges. Vous pouvez soudainement entendre que ou avoir l'impression que quelqu'un vous appelle alors que personne ne l'a fait. Vous entendez peut-être le bruit dérangeant d'un oiseau alors qu'aucun oiseau ne se trouve réellement dans les parages.
vous entendez des bruits, des sons, des ricanements ou même des choses bizarres, alors que les origines même sont pratiquement indétectables. Vous ne connaissez pas la source de ces bruits. Souvent, ça se passe dans votre tête. Voilà encore un signe qui vous alerte, qui devra vous alerter que vous êtes sous attaque occulte. Les pensées suicidaires et les dépressions inexplicables. Lorsque vous avez tout le temps des pensées suicidaires, vous pensez régulièrement au suicide, vous êtes tout le temps en dépression, c'est un signe clair et net qui montre que vous êtes victime de chaînes occultes et de blocages occultes. Des pensées suicidaires vous envahiront, vous avez envie de... je ne vais pas décrire cette scène. Les pensées suicidaires, vous savez déjà, il y en a de plusieurs formes. Ce n'est pas toujours avec une corde qu'on se suicide. Les personnes qui sont sous attaque occulte ont très régulièrement des pensées suicidaires. Voilà donc des signes clairs et nets qui montrent que vous êtes sous attaque occulte. Alors, quels sont les signes, quelles sont les conséquences de ces attaques? Lorsque ces attaques ont déjà réussi et que ces attaques ont réellement atteint votre vie sur le plan, sur tous les plans, qu'est-ce qui se passe? Avant de continuer de lister les conséquences, je vais demander aux personnes qui arrivent pour la première fois sur cette chaîne de ne pas oublier l'abonnement. Veuillez vous abonner en cliquant surtout sur la cloche de notification pour ne pas manquer des vidéos comme celle-ci. Donc vivement, abonnez-vous. Alors, quelles sont les conséquences de ces attaques? Lorsque les attaques spirituelles et les blocages occultes ont réellement atteint votre vie, vous avez des signes suivants. Le signe le plus courant, c'est les maladies. Vous avez régulièrement des problèmes de santé. Vous avez une santé tellement fragile que personne ne comprend. Vous avez une multitude de maladies chroniques qui envahit votre corps physique. Vous allez souffrir à la fois de plusieurs maladies, des fois des maladies que même les médecins les plus compétents ne comprennent pas. Voilà un signe clair et net que vous êtes sous attaque occulte. Donc, réveillez-vous. Un autre signe qui montre que vous êtes sous qui montre que les attaques vous ont déjà atteint, c'est que vous êtes très très régulièrement, ou bien vous êtes souvent malchanceux, vous êtes très malchanceux dans la vie. Vous avez aussi des difficultés financières, l'argent vous fuit, vous avez l'impression que l'argent a quitté votre vie. Plus rien ne va sur le plan financier. Vous commencez par vous endetter, vous ne comprenez rien là. Vous avez des dettes partout. Et plus rien ne va, vos affaires ne marchent plus, vos entreprises commencent par fermer petit à petit. Et la faillite arrive. Les personnes qui sont déjà atteintes par les blocages, les chaînes occultes, sont souvent rejetées. Quoi qu'ils fassent, même tous les efforts, malgré tous les efforts, ils ne sont pas souvent acceptés. Ils ont l'impression d'être rejetés par les proches, les collègues. Ces personnes ont toujours l'impression d'être rejetées, de ne pas être appréciées. Quoi qu'ils disent, quoi qu'ils fassent, ce n'est jamais pris en compte.
Les personnes qui sont complètement bloquées dans les chaînes occultes ont très souvent des problèmes relationnels. Leur vie conjugale est complètement sous l'influence de l'instabilité. Le couple est tout le temps séparé. Des fois, il y a de petites réconciliations, des retrouvailles, mais dans la plupart des cas, c'est toujours les séparations répétées et très fréquentes. Si c'est une femme régulièrement, elle aura des fausses couches et des morts-nés. Voilà encore quelques signes clairs et nets qui montrent que vous êtes sous attaque occulte intense. Alors, je précise que ce que j'ai cité là, c'est pas tout, c'est juste quelques exemples. Ne pensez pas que c'est une liste exhaustive de symptômes qui montrent que vous êtes sous attaque occulte. C'est juste le plus important et le plus fréquent. Alors, une personne qui est déjà complètement sous attaque occulte, qu'est-ce qu'il faut faire? Ça va être la dernière partie de cette vidéo. Nous allons montrer les produits qu'on utilise, les produits dont on peut se servir pour venir à bout de ces attaques afin de récupérer ou de retrouver une vie normale et vivre sa belle vie. Alors, pour réussir cette délivrance spirituelle, j'ai proposé ces quatre produits que j'appelle, enfin que j'ai nommé le kit Brise Tout. Avec ces quatre produits, les gens arrivent à enlever, à se délivrer des blocages occultes qui ont mis la main sur leur vie. D'abord, on commence avec ce savon de délivrance. L'ensemble de ces produits seront utilisés sur une durée de, disons, 3 fois 7, ça fait 21 jours. Parce que ce savon, par exemple, c'est presque facultatif. Donc, il faut surtout ces 3 savons-là à utiliser sur 21 jours. Disons plutôt 21 nuits, parce que c'est uniquement la nuit on s'en sert. D'abord, il y a ce savon pour se laver pendant cette nuit. Le but, c'est de se délivrer des chaînes occultes. Il faut se laver pendant cette nuit consécutive, bien sûr. Ensuite, vous avez le savon pour briser les chaînes occultes. Un savon que j'appelle souvent BCO. Beaucoup de gens connaissent ce savon. C'est assez efficace pour briser les chaînes occultes. C'est également pour cette nuit, ça fait 14. Vous avez aussi ce savon de déblocage que je fais avec cette noix de coco. J'ai récemment partagé la recette. C'est également efficace pour briser toujours les chaînes, pour enlever les blocages. Donc ces 3 produits-là, on s'en sert sur 21 nuits. Après les 21 nuits, lorsque vous aurez l'occasion de trouver une rivière, vous allez prélever un peu de ce savon. Vous irez dans la rivière pour aller vous baigner avec une éponge végétale. Voici l'éponge végétale. Vous prélevez un peu de savon pour laver les malédictions. Et après le bain, dans la rivière, vous jetez. Vous ne revenez pas à la maison avec l'éponge. Voilà donc les quatre produits pour se délivrer pour la délivrance spirituelle.
Mes kits sont livrés souvent dans des enveloppes comme celle-ci. Les personnes qui ont déjà acheté des produits chez moi ont reçu dans une enveloppe comme celle-ci. Donc je les mets dedans. Bon, d'abord ici on met le destinataire. Et là ça va être l'expéditeur. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous n'êtes pas concerné par ce phénomène de blocage occulte. Si malheureusement c'est le cas, nous vous proposons notre solution. Nous vous proposons ce kit qui a déjà aidé beaucoup de gens. Nous pouvons vous les livrer un peu partout. Hein. Je sais que certains endroits sont plus difficiles que d'autres, mais si c'est l'Europe et les Amériques, c'est un peu plus facile. Donc, merci d'avoir suivi cette vidéo. Merci de nous avoir accordé un peu de votre temps et à la prochaine pour vous présenter encore un autre kit de produits.